Bonjour, aujourd'hui on va voir comment utiliser un ECS pour développer des jeux en Haskell. Alors Haskell c'est pas forcément le langage le plus réputé pour développer des jeux, mais il y a quand même des fonctionnalités intéressantes. Notamment on avait vu dans des tutoriels précédents la bibliothèque Gloss qui permet de faire des animations 2D, également la bibliothèque Lens qui permet d'inspecter des structures de données un peu compliquées, et la Monad State qui permet de simuler un état modifiable. Et donc il y a également une architecture ECS qui existe en Haskell. Et ECS, c'est une architecture classique pour développer des jeux vidéo qui permet de gérer les données de jeu. Et donc elle existe en Haskell. Il y a la bibliothèque Apex qui l'implémente notamment. Ça fonctionne selon donc le système, donc c'est système entité composant. Ça veut dire que en fait nos données de jeu sont découpées en des composants, c'est-à-dire des caractéristiques qu'on va pouvoir gérer dans le jeu, comme par exemple une vitesse, une position ou un score. Une entité, c'est un objet vraiment qui existe dans le jeu et qui va avoir certains composants et certaines valeurs pour ces composants-là. Et le système, bah, c'est ce qui gère tout ça et qui va nous permettre notamment d'appliquer en quelque sorte des algorithmes un petit peu évolués sur nos données de jeu. Donc on va voir ça sur un premier exemple qui est ici. Donc, pour l'instant, c'est un exemple très simple, c'est juste une balle qui se déplace dans un rectangle ici et qui rebondit contre les murs, contre les bords du rectangle ici. Si j'appuie sur Entrée, ça réinitialise la balle avec une vitesse, une position aléatoire. Si j'appuie sur Échappe, ça quitte le programme. Donc ça, c'est déjà implémenté en Gloss ici et on va voir comment transformer ça pour utiliser ECS et qu'est-ce que ça nous apporte. Ah, donc globalement, j'ai quelques paramètres pour définir la zone de jeu ici. Un type qui représente la balle, une position, une vélocité, les deux avec des vecteurs 2D. Un modèle qui a juste une balle pour l'instant. Et bon, ensuite, comme d'habitude avec Gloss, on initialise notre fenêtre, on lance la boucle de jeu ici, avec notre modèle initial, et les fonctions de rappel qui vont nous permettre de gérer les événements, soit comment on affiche un modèle, comment on gère un événement à partir d'un modèle courant pour avoir le modèle modifié. Et comment on gère le temps pour, à partir d'un modèle, bah, avoir le modèle où on aura la modification du temps correspondante. Donc ici, on remarque, j'ai utilisé des lens et également la monade state qui permet de décomposer la gestion de l'animation en le déplacement de la balle et le calcul des rebonds ici. Avec les deux, le détail ici. Donc le tout dans la monade state, comme c'était déjà expliqué dans un tutoriel précédent. Donc comment transformer ça pour utiliser Apex? Et bah, au lieu d'utiliser Gloss directement, on va utiliser Apex avec son intégration dans Gloss ici. Et donc comment ça marche? Bah, il faut qu'on déclare les types de composants qu'on va pouvoir gérer dans notre jeu. Donc on crée nos types ici. Pour l'instant, il y a plusieurs façons de faire, hein, mais pour l'instant je vais garder le même ici, le même ball que tout à l'heure. Il faut juste que j'instancie la classe Component ici pour le type que je veux ici, que j'ai créé juste avant. En faisant ça, on doit spécifier comment on va stocker ces composants-là. Un stockage courant, c'est map, c'est-à-dire comme un dictionnaire en fait, donc on va pouvoir avoir plusieurs valeurs pour ce composant. Donc si j'ai plusieurs objets de type ball, plusieurs entités, eh ben, ça pourra marcher. Mais on peut avoir d'autres types de composants, par exemple si j'ai un score, on pourra le mettre en global par exemple. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir créer un type world qui va comprendre tous les composants qu'on veut utiliser dans notre jeu. Alors, Apex fournit déjà le type caméra, mais on va aussi avoir besoin du type ball qu'on vient de créer, le composant ici. Donc, je l'ajoute ici. Ça, c'est de la métaprogrammation, c'est le système de template d'Haskell. Donc, ça va créer un type qui va s'appeler World avec ces paramètres-là qui auront été pris en compte. Et moi, je pourrais utiliser le système ECS sur ce type World et j'aurai accès à ball et à ce qu'il faut pour gérer une caméra. Du coup, ECS gère automatiquement les données de la scène, donc j'ai plus besoin de créer un type modèle explicite pour gérer si j'ai une ball ou si j'en avais plusieurs, bah, il va falloir que je mette des vecteurs ou des listes pour gérer manuellement mes collections. Bah, là, c'est fait automatiquement et il sait comment faire avec l'histoire du stockage ici. Donc le modèle, je peux le supprimer complètement. Je vais garder les lens pour ball, mais pas pour le modèle, puisqu'il n'y a plus de modèle. Et voilà. Et donc qu'est-ce que ça va changer? Bah, ça va changer que, par exemple, pour initialiser notre modèle, bah, on n'a plus besoin du modèle en fait. On va juste travailler dans la partie système de l'ECS. Pour ça, en Haskell, la façon dont c'est implémenté avec la bibliothèque Apex, c'est que, bah, y a une monade qui s'appelle système. On lui dit à partir
de quelles données de scène en fait, quel type qui gère les données de scène. Bah, ici c'est le world qui a été créé et éventuellement ça peut retourner une valeur. Donc, bon, ici on n'a rien besoin de faire, on va juste modifier notre système courant. Donc ça s'écrit comme ça. Donc notre initialisation, tout ce qu'elle va faire c'est générer une balle ici. Je vais modifier la fonction tout à l'heure. Et cette balle là, donc, ça crée des composants et ces composants là, on va créer une entité à partir de ça. Et donc on a une fonction qui s'appelle new entity ici et on lui passe ball 0 ici, les données qu'on veut, à partir desquelles on veut créer une nouvelle entité. Donc la fonction elle ici, pareil, au lieu de travailler directement sur la monade IO, système est basé sur IO, donc je peux toujours appeler mon générateur aléatoire ici, ça va marcher. C'est juste que maintenant ça va travailler dans système world et ça va me retourner une ball. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? A priori je construis la ball, je return et puis c'est tout. Donc voilà, vraiment maintenant au lieu de gérer le modèle manuellement, on travaille dans System World et on peut accéder, créer des entités, créer des données dans notre jeu à partir de composantes qu'on aura fixées, soit aléatoirement, soit avec des valeurs spécifiques. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a modifié? La fonction principale. D'abord, on doit qu'est-ce qu'on va faire? On doit créer le world avec une initialisation. Donc on va faire ça. Donc, je crée une variable world avec la fonction initWorld qui est fournie par Apex. Et ensuite, on va pouvoir lancer notre système sur cette variable world ici. Et on va pouvoir donner des actions qui vont travailler sur ce système, qui vont pouvoir accéder aux données gérées par l'architecture ECS. Donc ici, d'abord, on va initialiser avec la fonction qu'on a créée ici. Donc on va vraiment initialiser toute notre scène, créer les entités, etc. Et ensuite, on va pouvoir appeler, c'est ce qui est en dessous là, la fonction pour lancer la boucle de jeu qu'on avait, qui correspond à ce qu'il y a dans Gloss en fait, hein, la bibliothèque pour faire des animations. C'est juste que le modèle, on n'en a plus besoin parce qu'on travaille maintenant dans notre monade système. Donc il sait automatiquement qu'il y a des données de jeu qui sont définies avec les entités qui sont créées, etc. etc. Il faut quand même préciser les fonctions de rappel ici, qui vont avoir un petit peu différent parce qu'au lieu de travailler à partir du modèle, ils vont travailler dans système également. Donc ici, par exemple, pour l'affichage, ce sera plus modèle vers IO Picture, ce sera ici directement dans System World et ça va retourner une picture qui pourrait être affichée par Gloss. Okay, donc je remodifierai le contenu plus tard. On va modifier également ici les autres fonctions. Donc pareil pour gérer les événements utilisateurs, au lieu d'avoir un premier modèle et de retourner le modèle modifié, on va juste travailler dans System World et si on a des données à modifier dans la scène, ce sera fait à travers cette monade là. On n'a rien besoin de retourner et on n'a pas besoin de passer de modèle en paramètres. Ici il n'y aura pas de modèle, ici non plus et ici non plus. Et pareil pour la gestion du temps ici, donc ça va travailler directement dans System World et ça retourne rien. Alors comment on implémente vraiment le contenu de ces fonctions de rappel maintenant? Et pour gérer le temps, en fait ce que je vais pouvoir faire c'est donc je pourrais récupérer directement les entités. On a des fonctions pour récupérer les entités, on pourrait savoir tiens l'entité qui correspond à la base, je vais faire telle modification dessus. Mais c'est plus intéressant de travailler au niveau des composants, et on peut le faire avec ECS, c'est une fonctionnalité assez intéressante. Donc, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est mapper une fonction, donc ça s'écrit CMAP, donc un mapper sur chaque composant, et ensuite je vais lui passer une fonction qui prend un composant et puis qui fait quelque chose avec ce composant-là. En fait, c'est ce que fait execState ici, ça c'est une fonction qui exécute une monade state. Donc en gros, c'est une fonction qui prend un ball et qui retourne un ball. Donc si je map directement cette fonction là, hop, et en fait il sait que il va falloir chercher tous les composants qui correspondent au type ball, appliquer cette fonction dessus, et ça va retourner un nouveau ball modifié, et donc, du coup il va pouvoir modifier la scène de jeu de cette façon là. Donc là c'est plus intéressant, on travaille au niveau des composants au lieu de travailler au niveau de chaque entité. Ici comme j'ai qu'une entité, ça change pas grand chose, mais si j'avais plusieurs entités, il aurait pu appliquer ça sur toutes les entités qui correspondent à le type de cette fonction là. Donc là, le système de type se combine bien avec la fonction ici de mapping sur les composants.
au niveau des événements. Donc si j'appuie sur la touche entrée, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la fonction random ball sur, sur toutes les balls. Donc pareil, on va faire un CMAP. Une petite différence, c'est que random ball, il est ici, il travaille dans le système parce qu'il a besoin de d'appeler le générateur aléatoire du système, donc du système d'exploitation. Donc c'est plus CMAP, c'est plus une fonction pure que j'applique, c'est une fonction qui va faire un appel système. Donc c'est CMAP M ici parce qu'on travaille dans une monade. Donc la fonction, bah, je peux l'écrire avec une lambda ici, c'est une fonction qui va prendre un ball avec des composants, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est appeler la random ball pour créer, pour le remplacer par une nouvelle balle aléatoire. Et du coup, ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin, et puis a priori c'est tout. Donc voilà, sur chaque ball, il va appliquer cette fonction-là, ça va nous réinitialiser la balle, et puis ben voilà. Pour les autres événements, on retourne rien, on n'a pas besoin de gérer le modèle. Et ici, ben, ça a l'air de fonctionner. Bon voilà. Faudra peut-être lifter la fonction, mais pas sûr qu'il y en ait besoin. Et enfin, pour gérer les affichages, et bien pareil, on va avoir une fonction qui va nous permettre de considérer un certain type de composant et toutes les entités de ce type de composant-là, et de faire calculer une image dessus, donc une picture qui pourrait être affichée par Gloss. La fonction s'appelle foldDraw, et on lui passe une fonction, en fonction du type de la fonction qu'on lui passe ici, et bien il va savoir sur quels objets de l'ECS il faut appliquer. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est récupérer toutes les balls. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire une lambda qui prend un ball. Cette fois, je vais avoir besoin de sa position. Donc je peux faire du pattern matching ici. Donc ball, il y aura une position, une vitesse. La vitesse, j'en ai pas besoin. La position, je vais décomposer ça pour récupérer x, y ici. Et donc qu'est-ce que je fais? Ben, je vais générer une picture à partir de ça. Ben, en fait, c'est la picture que j'ai ici. Donc se déplacer en x, y et afficher un disque avec le rayon qui est un paramètre global. Donc, je colle ça ici. Ça du coup, ça s'exécute dans la monade système, donc il va vraiment appliquer ça sur toutes les balls de mes données de scène, et il va me retourner le résultat ici, donc une liste de résultats, tous les disques qui ont été tracés ici. Donc je vais récupérer ça dans une variable locale, ici. Alors du coup, il faut que je mette un do ici. Et je vais pouvoir retourner dans mes pictures, ben, toutes les balls que j'ai dessinées juste avant, plus le rectangle que j'ai dessiné aussi pour simuler les murs ici. Alors j'ai pas besoin de modèle, et là il me dit, oui donc effectivement ça il faut que je le lift. Donc là la monade système est basée sur IO, mais il faut quand même lifter certaines fonctions. Et puis ben, voilà. Donc si je résume, j'ai modifié mon type pour déclarer des composants, le type world ici. On peut initialiser le world et ensuite exécuter dans le système ECS l'initialisation de ma scène plus la boucle de jeu. On a modifié toutes les fonctions pour travailler cette fois dans système world. On a nos fonctions après pour soit faire des mappings, soit faire des folds ici. Et c'est lui qui se débrouille pour trouver les composants qui correspondent automatiquement. Si j'exécute, normalement ça va donner la même chose. Ok, donc on a notre balle. Si j'appuie sur entrée, ça réinitialise la balle aléatoirement et échappe, ça quitte le programme. Alors déjà un premier intérêt là-dessus, c'est que on va pouvoir gérer les données de jeu sans avoir plus efficacement en fait. Tout à l'heure j'avais écrit mon modèle et puis j'avais un ball dedans. Si je voulais gérer plusieurs balles, bah, il faudrait que je crée un vecteur avec un vecteur de ball ou une liste de balls pour pouvoir gérer mes données explicitement. Et puis si j'avais d'autres objets, pareil, il aurait fallu que je crée d'autres vecteurs, etc. Ici, c'est déjà fait par le CS. Donc en fait, mon random ball que je bind ici, alors on peut faire ça comme ça. Donc je crée un random ball et puis je crée une entité à partir de ça. Bon, en fait, ça je peux le faire plusieurs fois. Et automatiquement, ça va m'ajouter plus de données dans ma scène. Donc là par exemple, j'aurai 3 balls. J'ai juste à créer 3 entités. Bon, évidemment, il n'y a pas la collision entre les balles, mais les données de scène sont déjà gérées par le système. Donc voilà. Et autre chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut distinguer les composantes plus finement que ça. Si par exemple j'avais un autre type que ball qui pouvait avoir une position, une vitesse, mais qui s'affichait différemment, par exemple je sais pas une raquette ou quelque chose comme ça,
bah, ce serait pas vraiment le T-ball, mais ce serait aussi une position, une vitesse, et, bah, ça s'animerait de la même façon. Dans ma fonction ici, pour gérer le temps, et bah, je pourrais lui dire, bah, tout ce qui a une position, une vitesse, tu fais le petit calcul, et puis bah, tu sais que pour dépasser, il faut prendre la position, et puis ajouter la vitesse multipliée par la durée de temps pour mettre à jour le mouvement. Et ben on pourrait le faire uniquement à partir de bah, si tu as une position de vitesse. Donc souvent ce qu'il est mieux de faire, c'est de dire ok, notre type ball, on va le laisser comme ça. Comme ça on pourra quand même distinguer si l'entité c'est vraiment une ball ou si c'est juste quelque chose qui a une position de vitesse. Mais du coup je vais créer aussi un type pour la gérer explicitement une composante de type position. Donc on peut créer un type ASCAL ici. Alors je vais lui mettre un champ position ici de type vecteur, bah, comme il y a ici en fait. Hop là. Voilà. Et je vais créer un composant à partir de ce type ici, comme j'avais fait pour ici. Donc à la place de ball, je mets position. Pareil ici. Donc si j'ai extrait vraiment position de mon type ball précédent, je vais faire la même chose pour la vélocité. Et du coup, je pourrais gérer bah, tout ce qui a une position. Ça marche pas. Vélocité. Tout ce qui a une position, tout ce qui a une vélocité, bah, je vais pouvoir le gérer d'une certaine façon. Et si c'est un ball, je pourrais également le préciser aussi. On va faire ça comme ça. Ça, j'ai plus besoin. Voilà. Donc maintenant j'ai mes trois composants ici. Mon world il aura donc soit ball également position et velocity. Et on peut faire les lens pour également la position et la velocity. Hop. Alors là il faut que je renomme le champ ici, qu'on va l'appeler. Donc qu'est-ce qu'on va changer maintenant si on distingue ces différents composants ici? Et bah voilà. Donc, un ball maintenant, c'est plus juste ball qu'il va falloir retourner. Quand on calcule une balle aléatoire, c'est un ball plus une position plus une vélocité. Donc on pourrait l'écrire comme ça. Maintenant c'est un tuple avec trois éléments. Et j'ai juste à passer ici le premier vecteur. Il faut que je le place dans le constructeur de position et la vélocité, pareil, dans le constructeur de vélocité. Pour éviter d'avoir à réécrire le tuple à chaque fois, en fait, ce qu'on peut faire, c'est définir un nouveau type qu'on va appeler ball prime, qui va comprendre, qui va correspondre au tuple en fait. Donc ici, je pourrais écrire un synonyme de type ball prime qui est égal à bah, ce que j'avais tout à l'heure. Ma fonction random ball elle permet de faire ça. Pour l'initialisation, ça se crée exactement de la même façon. On crée un random ball. Cette fois, on a un tuple avec trois composants, le ball, la position, la velocity. On passe tout ça à new entity et lui se débrouille comme tout à l'heure. C'est juste que bah, cette fois, l'entité correspond à trois champs bien distincts auxquels on pourra accéder. On pourra faire du filtrage sur ces trois champs, voire sur une partie de ces trois champs, au lieu d'avoir à gérer toute la ball comme on faisait tout à l'heure. Donc, du coup, ça nous apportera plus de flexibilité, comme j'ai expliqué pour l'histoire de l'animation. Qu'est-ce qui change pour Fold Draw, donc cette fois c'est un tuple. Donc ici on a ça, ici c'est un position. Et ici, bah, si j'ai besoin de la vélocité ou pas, bah, j'ai pas besoin de le mettre en fait. Voire même, si tout ce qui a une position, je voulais l'afficher, bah, on pourrait tout simplement faire ça. Et si je veux spécifier quand même que, ok, il y a une position, mais peut-être c'est une balle, peut-être c'est une raquette, ça va pas s'afficher de la même façon, bah, je peux le laisser avec le ball comme j'avais fait tout à l'heure. Donc c'est vraiment assez flexible. Au niveau du filtrage, c'est assez pratique le CS pour ça. Et qu'est-ce qui change encore ici? Donc cette fois pour la monad state, donc on a plus un ball, mais on va avoir besoin de ball plus la position plus la vélocité. Donc c'est le tuple, ball prime. Et comme j'ai dit que c'était, on a fait des lens dessus, et ben on va pouvoir y accéder, mais il faut accéder aussi au champ du tuple. Donc ici, c'est pas la vélocité, c'est le champ numéro 3, donc c'était en troisième position. Donc ça s'écrit comme ça. Et il faut le passer ensuite le déconstruire pour récupérer le champ velocity. Pareil pour la position. Donc cette fois c'est le champ numéro 2 du tuple. Et il faut le déconstruire avec le nom du champ qui s'appelle pose ici.
Pareil pour lui, donc cette fois un bool prime. Ici c'est le champ numéro 2. Et ici, en fait, ça va faire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est deux points. Pareil ici, pareil ici, pareil ici. Et la vélocité. Donc ce sera le champ numéro 3. Voilà. Ok, on teste quand même si ça marche. Donc a priori ça fait la même chose, si je réinitialise, ça initialise bien et ça a l'air de quitter. Voilà. Donc pour résumer, pour un vrai programme avec ECS, c'est plutôt de cette façon-là qu'on fera, on va distinguer vraiment les composants qui correspondent à des fonctionnalités de nos données, hein, de la sémantique de nos données en fait, soit une position, soit une vitesse, etc. Et du coup ça nous apporte quand même un système de filtrage qui est plus subtil, on peut faire plus de choses, notamment ici, si c'est un ball avec juste une position, j'ai pas besoin de sa vélocité, si c'était tous les objets qui avaient une position de vitesse pour les animer, je pourrais le faire, que ce soit des balls ou autre chose, etc. Donc c'est plutôt intéressant de faire ça. Voilà pour cet exemple. En deuxième exemple, on va voir sur un système, un jeu un peu plus compliqué, voilà, ici, avec plusieurs balles qui peuvent faire des collisions entre elles. Donc, l'exemple il est ici. Donc là, c'est une version. Ça, c'est une version avec Gloss. Ça ressemble à ça. Donc, pareil, il y a des murs ici. On va mettre cette fois un vrai type pour représenter les murs, même si c'est pas très intéressant parce que ce sera très simple. Et un type pour représenter les balles avec, pareil, des positions, des vitesses. Et les balles ici peuvent avoir des rayons différents, des couleurs différentes, des masses différentes aussi. Et pareil, si j'appuie sur Entrée, ça régénère des balles aléatoires. Et on a les collisions à la fois entre les balles et balles entre les balles et les murs. Donc comment on peut gérer ça? Alors on va voir ici avec Gloss et avec Apex et comparer quelques fonctions. On va faire comme ça. Hop. Alors. Avec Gloss, on peut déjà voir les types qu'on va utiliser. Donc ici, on met tout dans les types comme tout à l'heure. Donc par exemple, une balle, on va dire qu'on a besoin de la couleur, le rayon, la masse, également la position, la vélocité. C'est tout ça qui représente une balle. Pour les murs, on va juste dire est-ce que c'est un mur à gauche, à droite, etc. Et on a besoin de notre type de scène où on va représenter et on va gérer nos données. Donc notamment, on a besoin de plusieurs balls, plusieurs murs. Donc je vais utiliser un vecteur pour pouvoir gérer tout ça. Avec Apex, c'est ici. Avec Apex, on va faire comme tout à l'heure. Distinguer la position, la vélocité. Et une balle, on a juste extrait le champ position et vélocité, puisqu'on va pouvoir dire que c'est un composant et qu'on pourrait le réutiliser pour autre chose, pas forcément les balles. Et pour les murs, pareil, on a juste à dire le type mur ici, il n'y a rien d'autre de particulier à mettre, juste instancier pour dire que c'est un composant. Et cette fois, nos type word, c'est bien position vélocité, le type ball, le type pour les murs, et puis la caméra comme tout à l'heure. Et de la même façon, on peut dire qu'une une balle complète, c'est le type ball ici avec les éléments pour caractériser la balle, la couleur, le rayon, etc. Plus une position, une vitesse, et du coup, on pourrait gérer des positions, des vitesses pour d'autres données de jeu également. Bon, ici, on va pas le faire, mais sur les jeux plus compliqués, c'est quelque chose qu'on a très classiquement à faire. Ensuite, au niveau de la fonction principale, qu'est-ce qu'on retrouve? La même chose que tout à l'heure pour regarder pour le dessin par exemple ici on doit avec Gloss directement on doit gérer notre scène manuellement. Donc dans la scène on avait un champ pour avoir le vecteur de balle, le vecteur de mur, et on doit les récupérer et appeler la fonction qui correspond, donc soit pour dessiner des balles, soit pour dessiner des murs, grâce aux fonctions du vecteur qui nous permettent d'appliquer de construire toutes les images qui correspondent à chaque balle et à chaque mur. Donc les fonctions sont définies ici. Avec Apex, ça va un peu ressembler, mais on n'a pas besoin de gérer
de récupérer les données dans la scène. Il suffit, donc on va regarder, voilà. On n'a pas besoin en fait de récupérer dans la scène quelles sont toutes les balles, quels sont tous les murs. En fait, c'est le type de la fonction qu'on est en train d'appliquer qui va être utilisée par le système ECS pour savoir exactement, ah ben en fait, cette fonction-là s'applique sur les balles, donc je sélectionne uniquement les entités qui correspondent à les balles. Et donc ici, cette fonction-là, elle prend une balle, une position, et calcule une picture à partir de ça. Et la fonction ici, drawWall, elle prend un wall, donc il va savoir que ça s'applique uniquement sur les entités de type wall. Voilà. Et pour l'animation, une dernière fonction qu'on peut regarder. Donc là, les collisions, j'ai mis un système un peu polymorphe pour calculer les collisions. Donc l'idée, c'est avec Gloss, j'ai mon modèle avec un vecteur de balle, un vecteur de mur. Et ben, il va falloir que je crée une fonction qui me dise pour une certaine durée de temps, voici un vecteur d'objet, un deuxième vecteur d'objet, donc par exemple les balles et puis les murs, ou les balles et puis les autres balles, et on va calculer les intersections entre les balles. Et ben du coup, retourne-moi la première intersection si elle existe, donc le numéro de l'objet, quel est l'objet modifié après la collision, et pareil pour le deuxième objet avec lequel on a eu la collision, et l'intervalle de temps où la collision a eu lieu. Donc on peut faire cette fonction-là. On va devoir parcourir pour toute la première collection, et ben parcourir toute la deuxième collection et tester si les deux objets ils sont en collision ou pas. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Et là c'est relativement facile à faire parce qu'on a le vecteur qui a des fonctions intéressantes pour le faire. Mais si on utilise d'autres structures comme des listes par exemple, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué à implémenter. Avec le CS, pareil. On a les fonctions qui vont bien, c'est le même principe, mais on n'a pas besoin en fait de représenter, de lui indiquer les vecteurs sur lesquels on veut calculer. Donc en gros ici pareil, sur une durée de temps, je veux calculer une collision, j'ai juste à travailler dans le système, alors j'ai mis directement le transformer mais peu importe. Je travaille dans le système, il connaît les données de jeu, et j'ai juste à lui dire quelle est la collision si elle existe, d'une première entité, donc cette fois je vais passer le numéro de l'entité, l'objet après la collision et la deuxième entité avec l'objet qui correspond pour le deuxième objet qui est collisionné. Et cette fois, on va utiliser les fonctions de fold ici qui s'appliquent sur les composants fournis par le système de ECS. Donc voilà, au niveau de l'utilisation de cette fonction-là, et ben, ma fonction d'animation, elle a juste à dire avec Gloss, je fais mon compute hit de tout à l'heure avec soit les balles ici, et avec elle-même, soit les murs avec les balles, et en fonction des types ici, lui il va savoir que ça c'est un vecteur de balles et un vecteur de balles, ou un vecteur de mur avec un vecteur de balles. Donc c'est grâce au type des paramètres que c'est indiqué ici. En ECS, c'est quasiment pareil, mais il suffit qu'il y ait une indication de type, en fait, je vais y arriver. Voilà. Donc avec ECS, la fonction ici, compute_hit, on lui passe pas de paramètres pour lui dire il faut s'appliquer sur les balles ou sur les murs, c'est uniquement selon les types de ce qu'on attend. Donc il faut indiquer un type quelque part. Ici, le résultat qu'on attend, c'est collision entre balle et balle, et donc il va savoir que il faut s'appliquer, le premier fold sera sur toutes les balles, le deuxième fold sur toutes les balles, et si je lui demande un résultat où j'attends des collisions entre des murs et des balles, il va savoir que le premier fold sera... il faudra sélectionner les murs et ensuite sélectionner les balles pour le deuxième fold et calculer les intersections entre ces objets. Donc les fonctions sont un peu plus simples avec ECS parce qu'il sait comment gérer les données. Par contre, il faut un peu préciser les types, c'est à partir du système de type qu'il arrive à retrouver quels composants il faut sélectionner et de quelle façon le faire. Donc c'est relativement puissant quand même à utiliser. Et le résultat, donc on peut montrer aussi pour Apex, c'est la même chose que pour la version Gloss, les balles ici, et puis ça se réinitialise si on appuie sur Entrée. Ok, donc pour conclure, donc le ECS c'est un système classique pour faire des jeux vidéo, pour implémenter les jeux vidéo, ça permet de gérer les données, de distinguer des composants qu'on peut filtrer de façon assez évoluée. Donc les composantes, ça va être des caractéristiques du jeu, par exemple des positions, des vitesses. Et les entités, c'est les objets vraiment qui existent dans le jeu, qui vont pouvoir avoir certaines données pour certaines composantes, par exemple une balle aura une position, une vitesse, etc. Et le système permet de gérer tout ça avec les systèmes de filtrage qu'on a vu ici.
en Haskell, c'est implémenté dans la bibliothèque Apex, et grâce au système de type, bah, ça s'intègre vraiment assez bien. Et on peut toujours utiliser Gloss pour faire l'animation, également la bibliothèque Lens pour inspecter les structures un peu plus finement, et bah, le tout s'intègre plutôt bien. Et voilà.